Un leader illumine l'âme, convainc le cœur, persuade l'esprit et motive le corps. Et c'est comme ça qu'on devient un leader légendaire, un leader invincible, champion, jeu d'entrepreneur, milliardaire heureux. La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants-gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Si vous voulez devenir un leader charismatique et influent, restez focalisé parce que je partage avec vous aujourd'hui 4 secrets qui vont vous permettre effectivement d'influencer positivement de manière rapide et efficace les autres. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Comme a dit John C. Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. Le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. The leader is who knows the way, goes the way, and shows the way. Le leader, c'est celui qui connaît la voie, prend la voie et montre la voie. Lorsque vous voulez être un leader, vous devrez effectivement être comme a dit l'invincible champion. Mais moi, j'influence les gens et les situations. Moi, je prends ces sans vision, ni action, ni détermination. Ma compétence et éloquence caressent la perfection. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mon cerveau est une machine à solution. Moi, je réussirai à la sueur de mes neurones en action. Vous devrez comprendre. Lorsque vous voulez être un grand leader, lorsque vous voulez influencer les autres, l'influence doit se faire sur 4 niveaux, 4 degrés d'influence. Vous devrez être à mesure de pouvoir influencer l'âme de votre auditoire, pouvoir influencer le cœur de votre auditoire, pouvoir influencer l'esprit de votre auditoire et influencer, n'est-ce pas, le corps de votre auditoire ou de votre cible. Question, comment se fait l'influence de l'âme? Comme ce que j'aime dire, l'être humain est une machine divine. L'être humain est une machine biologique. Vous fonctionnez d'une manière bien précise. Vous fonctionnez, votre vie fonctionne selon une programmation bien précise. Lorsque vous voulez être un leader, vous devrez être en mesure de capter, de connaître, de maîtriser et de bien gérer cette programmation. Et vous allez voir que vous serez un leader impactant, légendaire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'être humain est composé de 4 éléments. L'âme, le cœur, l'esprit et le corps. L'influence, une influence qui est efficace, une influence qui est illimitée, incommensurable, inestimable, doit s'opérer sur ces 4 éléments de l'être humain. Vous devrez être en mesure d'illuminer ou d'impressionner l'âme. Vous devrez être en mesure de convaincre le cœur, être en mesure de persuader l'esprit et être en mesure de motiver le corps à l'action. Parce que l'illumination, c'est apporter de la lumière. Convaincre, c'est apporter de la conviction, apporter de la croyance, apporter de la foi. La persuasion, effectivement, c'est à travers des informations et des compétences utiles, amener l'esprit à dire oui. J'accepte et je planifie et je réfléchis dans ce sens. Je m'oriente dans ce sens, le sens que tu me dis. C'est ça la persuasion. Et la motivation consiste effectivement à donner le motif de l'action, soit une motivation de derrière ou une motivation d'intérieur ou une motivation de devant. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, c'est pour dire, lorsque vous voulez influencer les autres, lorsque vous voulez vendre, lorsque vous voulez persuader, vous devrez comprendre que ces 4 éléments sont indispensables pour que ça marche. Comment vous allez arriver à impressionner ou à illuminer? Bon, moi, je préfère utiliser le terme « illuminer ». Mais maintenant, d'autres peuvent ne pas comprendre ça comme je le comprends. Donc, impressionner. Parce que vous pouvez impressionner l'âme de quelqu'un à travers un certain nombre d'actions. Parce que l'âme est telle l'énergie qui alimente les appareils. Donc, c'est pour dire, si vous voulez impressionner l'âme de quelqu'un, vous devrez être en mesure de lui apporter de l'énergie. C'est-à-dire, votre âme doit avoir la cadence, n'est-ce pas? La lumière qui existe déjà en lui, lorsque vous êtes devant votre auditoire, que vous soyez en mesure de faire quoi? De transférer cette lumière-là à l'auditoire ou à votre cible. Et son âme sera immédiatement impressionnée ou immédiatement illuminée. Cela arrive que lorsque vous partez voir quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu,
vous ne l'avez jamais écouté, vous ne vous êtes jamais rencontré. Mais dès que tu le vois, vous rendez compte qu'il y a des gens, dès que tu le vois, tu l'aimes déjà. Je veux dire qu'il n'a rien dit, il n'a rien fait, mais tu l'aimes. Ça veut dire que son âme a atteint un niveau où sa lumière te contamine immédiatement dès que vous êtes en face. Donc, il t'a impressionné par sa lumière animique. Et ça, l'impression. Lorsque vous voulez influencer quelqu'un, Dieu est à mesure que votre âme là ait cette lumière, cette puissance, cette énergie d'influencer les autres même sans que vous disiez un mot. Est-ce que c'est possible là? Oui, tout est possible. Le cœur. Lorsque vous voulez faire mouvoir un être humain à agir, lorsque vous voulez mouvoir un être humain à changer de pensée, lorsque vous voulez mouvoir un être humain à changer de comportement, vous devez être à mesure de faire quoi? D'influencer son cœur. Et comment on influence le cœur de quelqu'un? C'est en changeant sa conviction. Et comment on le fait? C'est en ayant nous-mêmes cette conviction et en transférant cette conviction sur l'autre. Parce que l'émotion est contagieuse. Tout ce qui vient du cœur est reçu par le cœur. Tout ce qui est dans le cœur se retrouve être dans le cœur. Lorsque vous êtes convaincu de quelque chose, vous serez convaincant de cette chose. Lorsque vous êtes persuadé de quelque chose, vous serez persuasif de la chose. Lorsque vous êtes motivé d'une chose, vous serez motivant de la chose. Lorsque vous êtes illuminé d'une chose, vous serez illuminant de la chose. Voici comment on fait pour influencer les gens. Ça marche comme ça. Si vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas un grand leader. Parce que la différence entre un leader et un suiveur, c'est quoi? C'est que le leader influence et le suiveur est influencé. Le leader a la capacité de croire avant de voir. Le suiveur veut voir avant de croire. Un leader vit et un suiveur suit. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Et c'est la différence. En résumé, vous devrez comprendre que les grands du monde, les grands esprits, comme a dit Eleanor Roosevelt, big minds, great minds, discuss ideas. Average mind discuss events. People and small mind discuss events. Les grands esprits parlent d'idées. Les esprits moyens parlent des gens et les esprits faibles parlent des événements. Si vous voulez être un leader, vous devrez vous arranger pour être dans un endroit, dans un climat, dans un environnement où on parle des idées. Ne vous associez jamais avec des faibles d'esprit ni des esprits moyens. Parce que cela va vous contaminer. N'oubliez pas, vous êtes un être humain, vous êtes une machine bio. Et en tant que machine, lorsque vous placez, n'est-ce pas, une machine à côté d'autres machines qui diffusent une mauvaise énergie, n'est-ce pas, qui diffusent une mauvaise connexion, qui diffusent, n'est-ce pas, des virus, tôt ou tard, votre machine aussi, tôt ou tard, il sera contaminé par ce virus-là. S'ils sont branchés au même réseau. S'ils sont branchés effectivement au même serveur. Parce que lorsque vous êtes dans le même endroit d'autres personnes là, c'est que vous-même, voilà, physiquement et métaphysiquement, visiblement et invisiblement, vous êtes connectés au même réseau. Pourquoi? Parce que le réseau biologique de l'être humain là, c'est la Terre. Vous comprenez un peu? C'est la Terre. Et nous tous, on marche sur la Terre. Tout ce qu'on mange, ça vient de la Terre. Tout ce qu'on boit, ça vient de la Terre. Parce que même l'eau là, c'est l'eau que Dieu avait déjà placée sur la Terre là qui s'évapore. Et pas transformé et ça redescend. Tout ce qu'on on s'assoit dessus, ma chaise, mes habits, ma montre, mon chapeau, tout ça, tout ce que vous voyez là, ça vient de la terre. Réfléchissez très bien à ce que je dis. Même les avions viennent de la terre. Pourquoi? Parce que ça a été fait de quoi? De fer, de caoutchouc, de bois. Devinez quoi? Et tout ça vient de la terre. Pour vous dire, lorsque vous êtes un leader là, vous devrez faire travailler ça. Mon cerveau est une machine à solution. Je réussirai à la sueur de mes neurones en action. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Un leader illumine l'âme, convainc le cœur, persuade l'esprit et motive le corps. Et c'est comme ça qu'on devient un leader légendaire, un leader invincible, champion, jeu d'entrepreneur, milliardaire heureux. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Ah, vous m'excusez un peu du ton, ça a été un peu dosé, mais c'est normal. Il fallait que je vous montre comme ça. Et c'est pratiquement comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Voilà. Dernier message. Et quand nous serons unis, ça va faire mal. Et quand nous serons unis, oh, ça fera mal. Et quand nous serons unis, ah, ils vont lire mal. Et quand nous serons unis, leur mal sera un mal. Mais nous ne ferons pas du mal, oh. Nous ne sommes pas maudits, oh, comme ces fils du mal,
Et l'Afrique est l'avenir du monde, ici-bas. Et l'Afrique est l'avenir du monde, d'au-delà. Et tu viendras en Afrique pour ton fric. Et tu viendras en Afrique pour ta brique. Et tu viendras en Afrique pour ton riz. Et tu viendras en Afrique pour ton lit. Et tu viendras en Afrique pour ton paradis. Et tu viendras en Afrique pour le paradis. C'est pour ta survie, oh. C'est pour sauver le nœud de ta vie, oh. Je vous aurais tout dit. Vive la jeune vision 2030. Vive l'actionnariat populaire extraordinaire. L'Afrique est l'avenir du monde, ici-bas et l'au-delà. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. C'était Coach Suleiman Sawadogo, alias Nour, le professeur à 19 ans. Au plaisir de mieux vous servir. Partagez, commentez et likez pour que ce message atteint le maximum de personnes possibles. Si vous voulez effectivement avoir notre accompagnement, notre coaching, suivre nos conférences et séminaires, prenez attache avec mon équipe à travers les contacts qui sont en bas et vous serez accompagné pour être des leaders d'influence charismatique. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Merci.